Hello! Salut! Le problème des enveloppes, c'est budgétaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé à deux. Par contre, c'est compliqué, je vous le dis. On n'est pas aussi à l'aise que. Non, pas vraiment. Que ce qu'on a d'habitude. Bon, bref. On se retrouve aujourd'hui, du coup, pour faire le bilan du mois, toutes les deux ensemble. Et répartir les économies. On a fait ce mois-ci. On répartit les économies, on fait le bilan, on fait le point sur nos dépenses sur le mois. Et on se laisse là. Ah, ok. Parce que moi j'ai toujours du mal. Mais oui, d'accord, ça sera bien. Ouais. Du coup, pour mon bilan de la semaine 4, on va regarder tout de suite ce qui nous reste. Donc, de toute façon, ça va aller vite parce qu'il ne reste pas grand-chose. On va ouvrir ça en même temps. Je suis désolée, ma voix, je suis malade, hein. Ça s'entend encore. Hein. Ouais. Bon, bref. Plaisir, il restait rien. Beauté non plus. Santé. J'ai été à la pharmacie. J'ai dépensé 7,85 € pour en plus même pas guérir, comme vous pouvez l'entendre. Donc, il me reste 2,15 €. Vous me croyez, j'ai ramené ma boîte à monnaie chez Marina. Dans le transport, je l'ai mais abîmée, je vous explique pas. Bref. Ce qui concerne imprévu. Alors, c'est pas vraiment un imprévu, on a triché. On allait à la brocante dimanche. On a trouvé une plastifieuse avec Marina. Une plastifieuse qu'elle utilise pour son travail. Enfin, à l'école, quoi. Et du coup, elle m'a dit que c'était une plastifieuse de bonne qualité. Elle était à 7 €. Et comme, si vous avez regardé le tuto, et ben vous savez que ma plastifieuse est de très mauvaise qualité. Elle fait un boucan monstre et en plus, elle plastifie très mal. Donc du coup, j'ai tenté. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Elle fait pas de bruit, déjà. Bon, elle a une odeur de renfermée, là, depuis longtemps. Mais sinon, ça va. J'ai rajouté des enveloppes. Donc j'ai rajouté l'enveloppe resto et j'avais rien. Donc voilà, elle est toujours vide. En transport, j'ai pris le bus, enfin le car, tout à l'heure. Ma réduction, c'est trop bien, hein. C'est la première fois que je la teste. Du coup, j'ai payé 1,50 € le trajet, alors que de base, le trajet est à 3 €. Et quand on charge la carte, ça fait moins cher, ça nous fait le trajet à 2,10 €. Et là, avec l'abonnement moins de 25 ans, c'était 1,50 €. Donc, j'ai pas noté là dans transport, mais c'est pas grave. Vu que de toute façon, on va mettre à jour tous les trackers pour le début du mois. Mais du coup, 10 moins 1,50 €, ce qui est censé du coup faire 8,50 €, c'est ça, non? 2, 4, 6, 8 et 50. On est bon, ça c'est des jetons pour laver la voiture. Et j'ai aussi rajouté la petite enveloppe maison qui était vide et qui est toujours vide. Et en monnaie supplémentaire, on n'a rien. Donc voilà. On va remplir vite fait le tracker virtuel. Ah oui, on parlera de ça dans le bilan juste après. Semaine 4, regardez, Marina m'a offert des marqueurs permanents. Je suis trop contente, c'est trop gentil, je suis ravie. Donc, alors attendez, en espèces, j'ai dépensé 7 € plus... c'est pas évident là. Ça fait 14,85 € quand t'as pas besoin de... Faut pas avoir fait maths sup pour faire ça quand même. Plus 30 parce que j'ai dépensé 30 € dans un fonds d'urgence. Je vous expliquerai ça au bilan. Du coup, ça fait 44,85 € en CB. Ah, j'ai été vilaine. Comme on a eu des invités, j'ai été faire les courses à Leclerc pour 13,10 €. Je survole hein, parce qu'on va parler avec Marina, là, donc ça sert à rien que je rentre dans les détails, sinon ça va durer une éternité. Donc, plus 13,10 €, donc ça nous fait un total de dépenses de 57,95 €. My God. En monnaie, on n'a pas de billets. Ah, j'ai échangé un billet de 10 contre un billet de 5 et des pièces avec mon chéri. Je suis trop contente. Bref, donc en monnaie, on a combien? On a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13,65 €. Vive les défis. On est ravis. Ok, donc 13,65 € d'économiser cette semaine. Et le total du coût des dépenses, 173,40 €. Oh, c'est trop, Laetitia. 39 € quand même d'économie. Hein. 39,87 €. C'est pas mal. Hein. Bon, ok. Donc là, on va tout mettre dans la petite pochette à monnaie. Et on se retrouve avec Marina parce que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rigolo. Pour répartir tout ça. Donc, je sais pas pourquoi je le mets là-dedans. Voilà. À tout de suite. J'ai quelque chose à vous montrer. C'était l'exclu Insta jusqu'à maintenant.
mais on va incruster des petites photos, des petits... Bah non, ils nous voient là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'on est organisé. On est en hein. double caméra là. On va faire un montage sympa, je crois. On va peut-être va essayer. Un peu cool. Mais du coup, vous verrez tout ce qui se passe là et on va tout répartir ensemble. Et ça va être trop bien parce qu'on l'a jamais fait ça. Du c'est coup, ça. On n'était pas assez riches pour le faire. Et maintenant, on peut. Donc, de la maille, de l'oseille, de la lune, de la fouille. Le piston. On cherchait un autre. Qu'est-ce que je commence par montrer ça ou bien... Non, en dernier. En dernier. Parce que ça, faut que je le remplisse. Watch time. Faut que je le remplisse avec eux. On fera ça à la fin. Le watch time. Vous inquiétez pas. Ok. Du coup, moi, il faut que je fasse des petits calculs. Tiens, c'est toi qui vas calculer pour moi. Vas-y. Alors, du coup, on a fait 20 euros... Semaine 5, ça sert à rien. Il faut que je le retravaille sur le papier, décidément. Moi aussi, j'ai mis donc, semaine 5. Donc ça, c'est total. Ah oui, parce que... Ah non, bah il est mal total. Bah oui, c'est ça bizarre. Ok, aussi. Donc 20 euros dans les épargnes. Non, non. Bah non. Bah, on va le remplir que à la fin parce qu'on sait pas où on va mettre les sous qui nous restent. D'accord. Donc comme moi je suis très organisée, on va commencer par là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à répartir? Oh là là, j'espère que c'est dans le cadre. Si vous voyez pas la tirelire, elle est là. Hein. Bon bah vas-y, sors tes économies. Ah oui, hein. Pardon. Il est où ton support de billets? Prends ton support de billets. Exactement. Bah ouais. Il est là. Allez, regardez lui aussi, il a pas aimé. Sylviana, je crois que c'est Sylviana. Sylviane, Sylviane peut-être. Ça sera l'occasion, tu vois, j'ai tué le mien, je vais devoir en faire un, de faire le tuto sur Insta. Parce que c'est vrai que je traîne un peu, j'ai... Alors, juste, pendant que j'y pense... Ça m'a fait fermer mon clapet. Vas-y. Pendant que j'y pense, je vais retirer les 5 euros. Des... Non, c'est pas dans celle-là. Si, normalement, c'est dans celle-là. Oh, punaise, ça commence bien. Ah, mais c'est ça les 5 euros que j'ai retrouvés. Dans Amazon Prime, t'as volé. Bah, je crois. Ah, regardez, faut que je vous montre ce que j'ai fait. Bon, c'est très moche, hein. Mais regardez, j'ai utilisé un pic à broche. Montre-le peut-être ici. Mais tu sais qu'il y a une caméra au-dessus. Oui, mais est-ce qu'il voit bien? Ah bah ça, il serait peut-être temps de s'en inquiéter. Tiens, vas-y, soulève-le pour voir. Oh punaise. Non, mais j'ai pas levé comme ça. Attends, vas-y, lève un peu. Mais moi, je crois qu'on voit très très bien. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon bref, donc du coup, je disais... que Simba il m'a bouffé le manche d'un de mes pics à brochette et du coup vous voyez j'ai collé avec du pistolet à colle un pic à brochette pour que ça arrête de bouger, vous voyez, et c'est trop trop bien, ça marche trop trop bien, donc je suis très contente de mon... voilà. Je pense que c'est en fait il y avait beaucoup d'enveloppes et du coup ça bougeait dans tous les sens, ça commençait à me gonfler, donc là c'est pas ça que je voulais faire. Maintenant je vais récupérer ma pochette. C'est ça, bah, j'ai bien perdu 5 euros du coup. Marina, elle a perdu de l'argent. Ouais, je sais pas où je les ai mis. Du coup, les 5 euros d'Amazon Prime, l'enveloppe Amazon Prime que j'avais, que vous avez dit que je finirais par abandonner, elle s'abandonne aujourd'hui et elle vient par ici dans les défis. Donc, du coup, je vais pas noter les 5 euros en plus, mais vous comprenez. D'accord. Je les note ? Non, non, merci pour ton intervention. Attends, si, on va les noter, ça fait 41, 46. Alors, oui, quand je vous ai tourné la vidéo, on était à 48 euros... Et des brouettes. Et des poussières. Entre-temps, on était jeudi, et j'avais pas prévu de budget spécialement pour aller chez Letizia. On a dû prendre le bus, donc dépenser des sous. Voilà. Voilà. D'où la différence entre la vidéo d'avant et celle-ci. Voilà. Ok. Merci Gertrude. Elle est désagréable. Elle est désagréable. Bon alors, on commence par... Ah bah moi du coup, vu que j'ai échangé mes billets... Ah mais je suis folle moi ou quoi? Je suis complètement jetée, j'ai fait le bilan avec... Ah si, c'est tout. Ah non, j'ai rien dit. J'allais dire, mais où sont mes billets là à répartir? Mais il y en a pas. Il y en a pas, il y a que des billets de 5 euros. Bah vas-y, c'est toi du coup à ton honneur. Ok. Où tu vas mettre ta fouillasse? Je sais pas. Alors, oh non, c'est pas vrai qu'elle a pas réfléchi. Les billets de 5 euros. Non, mais ça, on le sait. On veut ça. On veut ça. Tu vas mettre ça où? Si tu les veux pas, tu peux me les donner. Moi, je sais où je vais les mettre. Non, ça va aller.
Alors, ah oui, il y a de l'argent. Faut savoir qu'il y a de l'argent. Tu arrêtes de rire. Ça n'a ni faut savoir qu'il y a de l'argent dans les épargnes parce que j'ai déjà fait mon remplissage du... Qui est tourné et qui sera posté juste après cette vidéo. C'est ça. Voilà. Ça... Dimanche. Dimanche. Oh, l'arnaque. Pourquoi? Bah je filme, je tourne encore dimanche. Mais... Je filme encore le dimanche. Mais c'est là, elle est postée. Elle est publiée. Ah bah non. Ah je bah peux... non, dimanche, ah, j'aime pas. Ah c'est dimanche que t'aimes pas. Non bah c'est bon, tu veux, je vais faire mon remplissage et bah vous aurez sa vidéo mercredi. Y'a pas de soucis. Voilà. Non, je peux plus le dimanche. Ah vous avez vu comment elle allait m'insulter? Ah vous... Donc Bon, écoutez, comme elle en veut pas, alors nous, on va mettre ça. Encore moi, mes vieux. Je vais peut-être les mettre dans vacances pour commencer à remplir pour le festival. Ah oui, parce qu'on va peut-être... Marina veut me traîner dans un festival de quoi? De reggae Senska. De reggae Senska, ouais. Elle veut me traîner là-bas avec ma Je vous la traîner, elle est très contente d'y aller. Non, hein. J'aime bien les artistes, mais en fait, je suis pas trop festival et tout. J'aime pas trop, c'est pas mon délire. Mais bon, comme Marina, quand elle m'a appelé, elle m'a dit... Tiens-toi prête, écoute bien, il y a un tel, là, on y va. Bah j'avais pas le choix, elle était tellement enthousiaste que je voulais pas lui briser son petit cœur. C'est gentil. Donc du coup, non c'est vrai qu'on y va, je suis une mytho quand je dis que j'y vais plus pour toi. Si c'est, non j'aime pas les festivals. T'aimes pas les festivals? Non j'aime pas. Bah le printemps de Bourges quand on avait été il y a quelques années. Oui je crois j'avais 16 ans, hein. J'ai grandi en tout cas. On en discutera. Au pire, de toute façon, les 20 euros, ils iront dans l'enveloppe vacances pour le festival, que ce soit pour payer la place ou pour faire des dépenses sur place. Ah oui, donc on va mettre des... catégorie vacances quand même. C'est pendant mes vacances. Mais pourquoi tu économises pas pour la... On va se faire une journée shopping en juillet, tu économises pas pour ta journée shopping? Non, c'est tous les sous qui vont arriver ce mois-ci dans les plaisirs qui ne sont pas dépensés. Qui vont aller directement, quasiment tous, dans... Ouais, ça veut... mais tu sais quoi, c'est chaud, parce que c'est le premier mois où j'ai genre 40 euros par semaine de plaisir à peu près, dans une semaine blanche, donc 3 semaines, et c'est le premier mois où je me dis, faut pas dépenser, parce que sinon t'auras pas de budget pour le shopping. C'est... On va faire des folies. Ah ouais, je vais dépenser sans compter là, je vais avoir mon enveloppe, et rac, rac, rac. Calme-toi. On est combien de 31 mai? C'est la première fois que... Oui, 31. C'est la première fois que je vais vraiment aller faire les magasins en me disant tiens, t'as 200 euros et fais-toi plaisir, quoi. Sans culpabiliser. Donc, vous inquiétez pas que je vais rentabiliser. Donc, les 20 euros dans les vacances pour... Ok, bah du coup, on passe au défi. Voilà. Tu rajoutes combien de défis de billets de 5 euros? 10 euros dans le défi des 5 euros. Je l'ai battu. Et ben. Toi, t'en as combien? 10, 20. Ouais. 30, 40. 35? Non, j'en rajoute 3. 10, 20, 30, 40. Exactement. Et moi, j'en rajoute 2, du coup. T'as plus que moi, toi. T'en rajoutes moins, mais t'as plus, je crois. Oui. Le mois dernier, t'en avais eu plein. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Les compte pas deux fois, ça triche. 55, 60, 65. Ah, c'est trop bien. Mais attends, je vais recompter. Bah, recompte avec tes billets. 60, 65. Ouais, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oh, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? J'ai dit combien? J'avais dit 40, 45. 10, 20, 30, 40. Ouais! On en a un en plus! Ouais! C'est celui que j'ai perdu, non? Oh! Quel bon le stade! Donc on est à 10, 5, 10, 15. Bah, ça va aller! 40, 45, ouais! Attends, c'est des billets qu'elle a mis, hein! Ouais, mais 10, je croyais que j'en avais moins. 20, 30, 40, 50, 60, 65. Et donc ça lui fait pas l'effet inverse. Oh, oh. Oh. Il manque un billet. Bah il est où? Il est chez Marie. Je te l'aurais pris. Oh non. Bah, alors là tu me serais passé sur le corps. Cela.
Les pièces de 2, oh les pièces de 1. T'en as mis plein, t'en as plein à mettre. Hein. Mais moi aussi, moi, j'en ai. Mais pourquoi? Je comprends pas où ils sont passés. Mais il n'a pas dû qu'on vienne chez toi et qu'on paye le bus. Ah oui? Bah, du coup, on a pris les sous du bus. Alors, je vais trier. On les trie? Ok, on trie. Bah oui, on va être une pour eux sinon. Donc finalement, j'en ai pas beaucoup du coup. Si ceux qui ont vu ma vidéo, on avance le défi des centimes, vous savez que faire des tas comme ça, c'est très mauvais pour vos affaires. Je suis très très pas douée. C'est vrai. Donc t'as été intelligent de taper tes tas sur la table directement. Je les ai fait sur... Et ça sur sa feuille, heureusement, tout enlever. Mais on a dit qu'on dépensait les billets de 5 euros ensemble. Qu'est-ce qu'on fait des... Bah du shopping. Non mais du shopping avec les billets de 5, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les billets de... Les pièces. Qu'est-ce que t'as prévu de faire toi avec les pièces de 2 euros et ben je pensais aménager une pièce de chez moi. D'accord. Genre me dire une fois que j'ai les... Je sais plus c'est combien. 150 euros. Ah, non moi je comptais toute la monnaie. Il y a une pièce là, c'est à moi. Non non c'est à moi. De toute façon, il voit, hein. Tu pouvais me voler. Hein. Non, je rigole. Avec les 150 euros, je comptais aménager une pièce chez moi, peut-être racheter des meubles. Tu voulais faire quoi, toi? Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi encore. Ok, bah, faut réfléchir. Peut-être aller chez le coiffeur. Ah oui, oui. Ouais, c'est bon. C'est le budget à peu près. Oui. Bon, allez. Alors, en pièces de 2. Combien de pièces de 2? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 4, c'est bien, 7 alors. Et j'ai bientôt fini la page, la première page de billets. Et il me reste 2 pièces de 2 euros à cocher. Ah ouais? Ouais. Pièce de 1. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah c'est vrai? Moi aussi 6. On est jumelles de... Ah ouais! On est jumelles de plusieurs. 4. Ah, j'ai un problème. Oh là! Quoi? J'ai plus de pièces de 1. Bah, tourne la page. Donc, on va cocher une pièce de... Bah, tourne la page. Moi, j'allais commencer à cocher les pièces de 2. Ah bon? Non, j'en coche 2 de 1. Hein? Je comprends pas. Parce que ça faisait 2 euros. C'est hein? Pour remplir cette feuille-là. Ah oui! Ah oui, bah après comme tu veux, hein. C'est pareil. Faut pas être... Oui, moi je préfère faire ça. Comme ça tu vis pour clôturer en fait ce côté-là. En fait. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? On a rajouté combien de pièces de 2? J'ai rajouté combien? 7? Ah non, j'ai pas noté. Mince. Non, non plus j'ai pas noté. Je sais qu'on a rajouté 6 pièces de 1. Oui, ça merci. 14 et 6, ça fait 20. Alors moi j'avais oublié d'en noter une la dernière fois, je l'avais rajouté mais je ne l'avais pas mis dedans, donc du coup j'en avais 4, 4 plus 6. J'avais dit du coup 10, et je crois que j'en ai rajouté 7 hein, des pièces de... Bah ça va être simple. Hey, je suis à 36 euros. Mais attends, t'as pas rajouté ça encore? Je fais pas ton total. Non mais c'est le petit total. Le total de la grosse rue, tu as 36 euros. Moi je suis à 38. Parce qu'il faut que je remplisse ça en même temps. On a mis 24 euros dans les défis. 24 plus. J'ai même pas dit que j'étais malade et que c'est pour ça que ma voix elle était bizarre. Parce que ça se trouve, il y en a qui nous suivent pas sur Insta. Là j'ai eu une extinction de voix pendant 3 jours. Enfin, une extinction de voix pour quelqu'un comme Laetitia qui parle tout le temps, c'est-à-dire une voix inexistante, mais quelqu'un qui parle quand même. Donc du coup, ce qui fait que ma voix. Bah je l'ai aggravé quoi. Là c'est bon, tu peux compter. J'ai compté. Ah on finit ça. 7,35€. T'as combien du coup en pièce de 5? 32. Non mais... Ah 2,05€. Excellent. Si j'ai pas bien compté. Si j'ai bien compté. 10 centimes. T'en as pas bien. J'en rajoute 6 donc je suis à 18. Voilà. Bref, combien j'ai économisé ce mois-ci? 39,87€ et toi okay. 90€. 90€. C'est 31. Énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, t'étais à combien du coup sur ton compte bancaire? 64,87€. Félicitations, c'est ouf. Et je lui avais dit, je crois que c'est ma menace du mois dernier que je lui ai dit, t'as pas intérêt à être à découvert. 64,87 plus 90,31.
Ça fait 155,28€. Et moi, j'avais 25,37€. J'ai 25,37€ sur mon compte. Je ne suis pas à découvert. J'ai eu des imprévus. Alors moi, du coup, oui. Du coup, je ne vous ai pas fait vraiment de bilan. Mais pour les courses, on s'est rendu compte avec mon chéri qu'il fallait qu'on change notre manière de faire. Parce que déjà, resto, on va le séparer. D'où la création de la nouvelle enveloppe restaurant. Parce que resto, fast-food et tout, on arrête de mettre dans les courses. Tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte que quand on vient chez Marina, bah, souvent, on commande à manger, on met dans les courses, on se fait un resto, aller de temps en temps à deux, aller dans les courses, et pour les invités, à chaque fois qu'il y a du monde, faut qu'on arrête aussi, on en a discuté tout à l'heure, à faire avec entre guillemets les moyens du bord. Faut qu'on arrête à chaque fois qu'il y a du monde qui vient à la maison, ce qui est franchement très souvent, on a souvent du monde à la maison le week-end ou quoi, et à chaque fois qu'il y a du monde, on va faire des courses et on en a pour 100€ à chaque fois qu'on a du monde à la maison, vraiment tout le temps. Parce que on rachète du jus tout le temps. Alors que, tu vois, on pourrait se contenter de moins. Mais est-ce que vous en buvez beaucoup quand il n'y a pas de monde ? Non, pas forcément, ah, tu vois. C'est que quand il y a du monde que... Bah, quand il y en a, on en boit. Quand il n'y en a pas, on ne boit pas, quoi. Ouais. On peut s'en passer. Mais c'est vrai que, du coup, quand il va y avoir du monde, on va dire, ah, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à manger ? On pourrait... Il y a des trucs dans le congélateur ou dans le frigo qu'on pourrait faire. Mais non, on va acheter pour faire typiquement un autre truc qui sera peut-être un meilleur plat. Et du coup, on dépense vraiment beaucoup trop. Là, on a dépensé 507€ pour le mois. On n'est que deux à la maison. On a dépensé presque 200€ pour les invités. Et encore, je suis gentille, je pense qu'il y a plus que ça. Ouais. Mais j'ai arrondi en gros 297€ de course pour nous deux. Mais je pense vraiment qu'il y a plus. Et que pour les invités, on a dépensé 200€. Sachant que là, ce mois-ci, on a eu du monde 5 jours dans le mois. Ouais, c'est chaud. Et là, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout parce que mon chéri, il m'a dit, laisse, il y a des trucs que je paye. Et il n'a pas mis dans les courses parce que moi, j'étais un peu en PLS. Je voyais le budget, je me disais... Puis il faut vraiment qu'on fasse attention, quoi. On dépense trop. Le bilan que tu es en train de faire, je crois que déjà tout effacé. Ouais, mais moi aussi j'ai effacé et puis j'ai fait approximatif. Donc voilà, par rapport aux courses, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Oui, donc on va modifier des choses, on va rajouter une enveloppe restaurant et on va se mettre 200€ au mois en se disant un bon resto à 100€ et à la limite du fast-food par-ci par-là en essayant de pas faire 100€ de resto pour deux par mois. C'est énorme. Non, parce que ça fait deux fast-food dans le mois. Ça fait 50€ un fast-food à deux. Nous, on en a au moins pour 40€. Après, je sais pas ce qu'on mange ou je sais pas ce que vous mangez, mais... Ouais. Bon, bref, en tous les cas, il faudra... Ouais, mais les pizzas, je les fais maison, elles sont meilleures. Donc je sais pas pourquoi. Oh. Non mais c'est vrai. Non tu mais comm... c'est... oui mais tu tout... commandes souvent des pizzas, non? Oui, mais c'est par flemme en fait. Oui. Faut vraiment qu'on se fasse violence parce que il y a beaucoup de moments où c'est par flemme, oui. Beaucoup de moments où c'est par flemme d'aller faire les courses, flemme de faire à manger. Il y a à manger mais on commande et ouais. Ça faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Parce que OK la fatigue. Après ça peut être bien de temps en temps. De temps en temps mais voilà, mais c'est bien aussi de se rendre compte que là il faut qu'on fasse un peu plus attention à ça. Non, c'est pire. Est-ce que ça tourne là? Parce que je vois pas le petit bouton qui dit que ça tourne. Oh bah ça tourne plus. Arrête. Bah non, ça tourne plus. Depuis quand? Oh my god. Heureusement que ça filme là-haut. Hein. Désolée, ça tourne pas. Donc voilà ce que j'ai fait. Mon bilan de l'année. Qui est disponible déjà depuis 2 semaines sur le Drive, mais comme vous nous suivez pas sur Instagram, vous le savez pas, mais après c'est pas grave, on comprend que tout le monde soit pas adapté à... Moi je comprends que vous soyez pas tous adaptés à Instagram, ça me dérange pas. Adaptez-vous. Bref, donc mon bilan de l'année. Alors on va le remplir ensemble. Là on le remplit... Merde. Là je remplis ici avec vous. Mais à l'avenir je le ferai. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, oh punaise, par contre c'est un peu galère. Et je me dis que je devrais peut-être en acheter un quand même. J'ai eu l'occasion d'en acheter un. Je ne l'ai pas fait. 25,37€ de solde bancaire. Et après je fais la moyenne sur l'année en fait. Donc d'accord. C'est très mal écrit. Mais voilà, pour savoir à peu près en moyenne sur l'année à combien t'étais, si j'étais en positif ou en négatif. Vous voyez que là j'ai eu 2 mois compliqués hein, si vous avez suivi les vidéos. Mais les mois où j'avais un budget, c'est plutôt positif à chaque fois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est mes économies. Donc là, on va répartir en fait en début de mois combien j'ai épargné. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai épargné en début de mois 290€ ce mois-ci. Parce que c'est le mois où j'ai fait le virement à mon chéri les 650€. Ah oui, tu les comptes dedans. Ah bah je les ai épargnés hein.
290 euros. Ensuite, je mets mes économies du mois. Donc ça, on l'a vu ensemble dans le bilan. On avait 30, on a plutôt 39 euros. Je me tourne. Attendez. Ouais. Ah oui, ouais. C'est comme ça qu'on filme. Oui, des fois, oui. 39,87 €. Hop. Et mon solde bancaire qui est du coup de 25,37 €. Donc Marina a ta calculette. Okay. Donc 25,37 € plus 39,87 € plus 290. Donc on a fait une magnifique économie du mois de 355,24 €. C'est la vraie économie qu'on a en fait. Mais t'as retiré dans tes... Ça, c'est ce que j'ai économisé, si je veux dire ce que... D'accord. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est vos économies, votre solde bancaire, c'est des économies que vous avez au mois. Et l'épargne en début de mois, là, c'est parti, mais c'est de l'argent que si j'avais voulu donner le mois prochain, je les avais mis de côté, si tu veux. Là, j'avais clôturé mon enveloppe. Okay. Donc, c'est parti, mais je les ai quand même... Il faut bien que je les compte, ces 290 euros-là. Ensuite, en ma possession, donc là je compte tout ce que j'ai dans mes épargnes, dans mes défis et mon solde bancaire et je sais ce que j'ai si je veux vider tout mon compte, si je veux vider toutes mes enveloppes, combien j'ai. Donc mon solde bancaire, on a dit qu'on avait 25,37 €. Dans les défis, on a dit qu'on avait 45 € dans le défi 5 €. Vas-y, additionne. 45 plus 59,46 €. Voilà, donc on a 104,46 € dans les défis. Et en épargne, ça a bougé un petit peu parce que je vais vous l'expliquer après, mais j'ai pioché dans un fonds d'épargne, mais on va le voir juste après comment je vais organiser ça. Du coup, on va faire le tour vite fait. Animaux, on n'a rien. On a 10 euros dans la santé. Ah, je voulais faire un petit coucou à Roca si tu passes par là. Je vous parlerai de ça dans mon remplissage. Mais, Marina en a parlé, mais dimanche on en parlera un peu plus. Mais Roca nous a envoyé des faux billets parce qu'elle a vu que je galérais avec mes billets factices. C'est une abonnée qui est adorable. On te fait plein de ça bisous. Ça m'a sauvé la vie par là. Pour mon bilan. Et franchement, c'est tellement plus joli. Donc je fais la partie parce que j'ai vraiment plus de batterie. Mais de toute façon, il y a une petite vidéo sur Insta où je vous explique tout. Donc pareil, si vous avez loupé, je vous dise. Donc ça, on les compte pas parce que c'est vraiment pour mon plaisir visuel personnel, mais ils sont plus là, on les a plus. Il y a juste dans le projet et c'est là que ça a bougé. Dans le projet de mon ordi, il y avait 80 € et maintenant on n'a plus que 20 €. Donc plus 20 €. Hop. Donc 30 € dans les épargnes. Donc 30 € dans les épargnes. Ce qui nous fait donc 30 plus 104,46 €. Ça a l'air compliqué à remplir, mais c'est vraiment très agréable à faire. Hein. Plus 25 €, 37. Parce que là, c'est beaucoup de chiffres, ouais. 159 €. Donc là, en ma possession, j'ai 159,83 €. Si j'ai une grosse galère, je vide mon compte, je vide tout, j'ai 159,83 €. Le mois dernier, j'avais quand même 700 € parce que j'épargnais pour mes charges de la maison depuis le début de l'année. Là, j'ai vidé cette enveloppe. Mais évidemment, si vous n'avez pas d'enveloppe à vider, à donner à quelqu'un, et ben, vous voyez ça grandir. Et moi, je vois du coup vachement l'évolution. Par rapport aux enveloppes budgétaires, vous voyez, quand j'ai commencé 78, 413, 340, parce que c'est un mois où, je vous rappelle, je n'ai rien touché du tout, ouais. Et le mois qui suivait, 700 €, donc c'est juste incroyable. Ensuite, je fais le bilan de mes dépenses. Donc en plaisir, j'avais 80 €, je ne vais pas le noter avec vous parce que ça va être vraiment trop long, mais je le noterai et pour les bilans suivants ou dans le mois, dans le remplissage, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous montrerai combien j'ai dépensé, mon temps hors budget. Pour suivre sur l'année, ça je te pourrais le faire. Ouais, sur le remplissage. Donc voilà, je vous montrerai comment je traque mes dépenses sur l'année pour savoir à peu près peut-être me dire, bon bah écoute, tu as besoin de temps. Par semaine ou par mois, pour ton plaisir, je ferai une moyenne et je couperai ça pour l'année prochaine. Donc j'ai fait ça pour absolument tout, le plaisir en ligne, la beauté, toutes mes enveloppes. Et pareil, il faudra que j'en rajoute. Et pareil pour les courses, du coup ça va vraiment nous être utile avec mon chéri parce qu'on va vite se rendre compte que on peut faire avec 250 €. Oui, déjà, tel mois par exemple, on saura que là, en avril c'était le ramadan, donc on saura qu'en avril, 500 € pour le ramadan, c'est bien, ça nous a suffi pour ce mois-ci, on a réussi à inviter, à se faire plaisir et on est rentré dans notre budget. Par contre, on saura que 250 €
C'est pas mal si on n'invite personne. Là, on avait 350 euros pour le mois, on a invité trop de monde, clairement, on a explosé le budget. C'est pas possible. Donc voilà, ça sera pour nous permettre de suivre un peu les évolutions. Et là, on a le bilan, donc hop, donc, pour toutes les enveloppes. Et là, vous avez le bilan de vos fonds d'épargne. Donc, si vous avez un si vous avez déposé de l'argent, un retrait, votre solde. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été à la brocante. Ah oui, bah, voilà, regardez, typiquement. Là, on le voit bien. J'ai mis 60 euros, 140, 0 en mars, 160. Là, il faudrait que je rajoute 290 euros. Ce qui fait que j'avais 700 euros de retrait, solde 0. Mais ce qui me montre que j'ai réussi. En combien de temps j'ai économisé mes 700 euros, 700 euros mes 650 euros, pardon. Et en mettant combien? Voilà, en mettant combien par mois. Ça pourra me donner une idée de si je veux telle somme, combien de temps j'ai réussi à mettre de côté. Et donc dans l'ordi, on est allé à la brocante, si vous avez vu notre story sur Insta, et j'avais pris de l'argent au cas où on avait un gros coup de cœur, entre guillemets, ou un gros truc, en me disant je vais pas les dépenser. Mais on a trouvé vraiment une affaire pour la maison, un produit que nous on veut acheter depuis un moment qui coûte 150 euros. Et là en brocante, on l'a trouvé à 30 euros. Il fonctionne du coup ? On l'a pas testé encore. C'est une ampoule pour notre piscine en fait. Ça coûte 150 euros, ça coûte très très cher. Donc là, il faut qu'on l'essaye, mais elle était neuve. Donc on l'a prise, on l'a pris. Ah, donc voilà, donc j'ai dépensé 30 euros dans mon bilan d'ordinateur. Donc maintenant, je suis plus qu'à. Ah oui, je vous ai dit une bêtise. J'avais 80, j'ai dépensé 30 euros et il y a un peu plus. Il n'y a pas que ça, c'est parce que j'ai donné de l'argent à mon chéri qui m'a fait un virement parce qu'il avait besoin, il avait besoin d'espèces. Mais j'ai mais du coup, ça ne change rien ce qu'on a noté. Ça change. Si, ça doit changer, je pense. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer le. J'ai 50 euros, ouais, on s'est trompé. J'ai 50 euros, ça ne change rien, c'est juste vraiment pour vous montrer le concept, comment ça fonctionne et comment vous pouvez traquer vos dépenses. Voilà. Et ensuite, le bilan de mes défis. Donc là, j'ajoute, on le fera ensemble dans les bilans ou dans le bilan de semaine 4 peut-être, que ce soit moins long à deux. Mais on le fera ensemble hein, pour que vous puissiez voir aussi l'évolution. Mais là, je suis mes défis. Combien j'ai eu ce mois-ci, si j'ai retiré ou pas, et le solde. Okay. Donc le bilan. Et voilà, et c'est tout. Donc c'était le bilan que j'avais vraiment, le truc que j'avais vraiment très envie de faire pour suivre et je suis très contente de l'avoir fait parce que finalement je trouve très pratique, c'est très visuel et moi vous savez que j'aime bien et c'est, ça parle beaucoup, donc, je trouve ça très très bien. Donc voilà, il est disponible en téléchargement gratuitement, voilà. Dans le lien Google Drive. Bref, pour toi. J'espère que tu t'es on pas arrivé. On arrive à la fin de la batterie. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, clôture. Enfin, clôture. Faisons notre bilan à deux. Oh, j'allais louper la chose. Quand tout se casse la figure. Oh là là, j'allais. Il n'y a plus de batterie. Ouais, je sais, faut qu'on se dépêche. Alors. Donc, eh ben, un bilan du mois hyper positif. Hein. Franchement, on a géré. On n'est pas à découvert. On s'est fait plaisir. Plutôt. Qu'est-ce que j'ai non, ma tête, elle, je suis tombée, ça se voit. Non, je suis en train de penser à la semaine qui est en train de se dérouler là. Ah moi j'ai. Wouh. Ah tu dépenses. Ça, ah j'ai. Ça. Bah moi j'ai pas encore osé découvert. Moi mon mois se clôture vraiment aujourd'hui avec vous et je fais mon remplissage. Je vais tourner mon remplissage, je pense demain. Je vais commencer ma semaine demain tranquillement. Après juste pour le et transport. Du coup tu commences ta rentrer. Semaine le mercredi et du coup tu la clôtures le mercredi, c'est ça? Moi, honnêtement, je les clôture à la wall again. Hein. C'est-à-dire que quand je vois que je vais pas sortir, paf, je clôture. Mais c'est-à-dire tu vas la clôturer mercredi ou tu vas la clôturer dimanche? Attends, là, on est quand, là? Mardi. On est mardi. Et 31 mai. Et moi, je vais sortir quand les vidéos? Dimanche. Dimanche. Et ma semaine 1, je la tournerai, ouais, mercredi. Je verrai, je sais pas. Je vous dirai ça. Je sais pas comment je vais organiser, mais okay. Vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas faussé. Et puis l'argent, au pire, si je le décale d'une semaine, je pense que ce qui vous intéresse, c'est pas trop la date à laquelle j'ai dépensé, mais plutôt ce que j'ai mis en économie. Donc en vrai, c'est pas très grave. Moi, je clôture tous les dimanches. Clôture, ok. Ok. Donc, mais attends, semaine. Tu clôtures tous les. Ah oui, d'accord. C'est moi qui vais poster le dimanche là. Oui, d'accord. Moi, je clôture mon budget le dimanche. C'est pour ça que c'était si compliqué de tourner le dimanche, parce qu'il fallait vraiment que j'attende d'avoir fini de tout dépenser. Pour, tu prends la tête. Moi honnêtement quand je sais que je dois filmer, je fais le point sur ce que je vais faire dans un ou deux jours. Ok, je vais sortir, je vais pas sortir, je vais dépenser, je vais pas dépenser. Si j'ai un doute, je vous le dis dans la vidéo que potentiellement je vais sortir et je le compte dans la semaine d'après, hein, tout simplement. Tu veux un lit un peu ça? Je suis désolée. À la fin de la journée. Ouais. Donc bon bref.
Bon, on refera un point là-dessus. Ultra positif quand même. Ultra positif. Et pas à découvert, voilà. Des économies. On commence à mettre de l'argent dans les états. Des défis qui se rapprochent un peu. Ah oui, mais non. Parce que c'est faussé parce que j'ai. Possession. Ouais. T'as pas ce que tu sais pas ce que t'as en ta possession. Moi, je sais ce que j'ai en possession. On remplit ça à partir du mois prochain si ouais. Je le trouve, s'il est encore disponible. Le planeur, il est disponible chez Action. Exactement. Pour la somme de. 3 euros, même pas, je pense. Ouais. Mais. Comme ça. Mais tout le monde le connaît, hein, celui-là. Je sais pas, je vois ça de vexer. Il y en a qui le connaissent pas. Moi, je le connaissais pas. Ah et en tout cas, je savais pas son utilité avant de le voir. Ah, moi, je l'ai acheté, je savais ce que j'allais en faire. J'ai traîné un petit peu. J'ai traîné un petit peu. Tu as retiré des trucs dedans? J'ai enlevé toutes les pages. Okay. C'est simple. Voilà. Non, j'ai laissé juste les notes. Juste les notes, et puis après, au fur et à mesure. Et la règle. Mais vous avez. Vous avez. Regardez ce que Roca. Regardez Roca. Quel amour. Quand j'ai reçu ça chez moi, je peux vous dire que ça, je les ai envoyés valdinguer. Hein. Ça aussi. Et puis ça aussi. Hein. Donc regardez. Donc bah, pour les aussi. Remplissages, pour les épargnes. Non, c'est un vrai. Ah si, c'est. Non, c'est un faux. Regardez-moi ça. Trop contente. Merci encore, mille fois. Merci, merci. Mais. Ça me stresse qu'il n'y ait plus de batterie. Tu veux pas qu'on arrête et qu'on refasse un truc une fois que c'est chargé? On peut. Ouais. Mais ça met longtemps à charger. C'est pas grave, on vous reprend tout à l'heure parce que là je me sens oppressée, j'aime pas. On vous revoit tout à l'heure. Je suis stressée, faut pas me stresser, ok. Vous me voyez ma gueule. Bon, du coup, comme convenu, on revient pour clôturer la vidéo. Franchement, c'est pas évident là, ce montage là, parce que le fait que ça ait coupé, qu'il n'y ait plus de batterie, ça fait qu'il y ait des problèmes de son. Bon, on est désolé, on est obligé de laisser comme ça, sinon vous perdez une bonne partie de la vidéo. On va essayer de couper au maximum ce qui n'est pas très intéressant. Mais c'est vrai qu'avec Marina, on s'est dit que finalement, vous avez dit dans les commentaires que vous aimiez nous voir toutes les deux. Ouais. Et du coup, pour nous, nous voir toutes les deux, c'est pas aller à l'essentiel. C'est faire une vidéo où on profite, on est entre sœurs, on rigole beaucoup, peut-être qu'on s'éparpille. C'est clair dans le sens où vous aurez les informations que vous devez avoir, mais dans le temps. Quoi. On prend le temps. Et voilà, nous, c'est comme ça, on veut profiter aussi, on filme qu'une vidéo ensemble par mois. Donc quand on la filme, on veut la filmer, prendre notre temps, donc voilà pour ça. De toute façon, si vous êtes encore ici à la fin de cette conclusion, c'est que vous avez apprécié. Et on vous en remercie parce qu'on a pris beaucoup de plaisir malgré tout à tourner cette vidéo. Même à la montée, parce à la que montée, du coup... il est minuit là et quelques, on a monté 10 minutes de vidéo qui en dure pour l'instant à peu près 30. C'est fou, on s'est marré. Ma gorge, elle est, ça y est, là, je suis à sèche, à sec, j'ai trop mal, mais oui, parce qu'on fait que de rigoler du coup. Ouais. Mais oui. Vous nous permettez de passer un bon moment, on espère aussi que vous en avez passé un bon moment. Attends, par contre, t'emballes pas, Jacqueline, parce que de base, on devait revenir sur le bilan qu'on n'a pas fait. Hein. Ah, c'est vrai. On est là pour revenir sur ce qu'on n'a pas dit. Donc, par rapport à. Moi, je voulais faire un point, parce que du coup, je vois que je ne l'ai pas bien expliqué par rapport à mon solde bancaire. J'ai 25,37€ alors que de base je suis censée avoir 30€ sur mon compte que je laisse tous les mois. Parce que lors de mon remplissage, je vous avais dit que j'avais prévu 2 séances chez ma psy. J'en ai fait qu'une. Donc du coup, je devais normalement économiser 50€. Ils n'ont pas été économisés parce qu'on a dépassé le budget course, donc c'est parti dans les courses. J'ai eu une facture imprévue, pas de ma banquière mais de ma banque. C'est parce que j'ai fait dans ma vidéo. En fait, ils m'ont prélevé mes frais de découvert autorisés là, de mois précédent si vous avez suivi, alors que j'ai plus de droit de découvert autorisé. Donc j'ai appelé ma banquière, en fait ça fait 3 mois qu'ils me prélèvent alors qu'ils ne devraient pas. Donc elle va me rembourser 15€ et quelques le mois prochain. Donc voilà pourquoi moi j'ai 25,37€ de solde bancaire. Mm-hmm. Même si je suis totalement contente, moi tant que je suis pas à découvert ça me va. Oui, c'est bien. Voilà. Mais... est-ce que tu veux faire un point sur ton solde, toi qui est ouf du coup? Moi, j'arrive pas à m'en remettre. En fait, ça faisait. Ta banquière. Je l'ai déjà dit. Mon banquier ne calcule pas. Ça fait 3 ans. Et je crois que, sans trop me tromper, hein, je pourrais regarder mes comptes, mais je crois que ça fait 3 ans que je n'ai pas été allée. Ça fait 3 ans que j'étais dans le découvert. Ouais, et là. Que ce soit des petits ou des grands, et là, pas de découvert ce mois-ci, ouais, ce mois de mai. Et je pense que ça y est, c'est fini. Bah, j'espère, vrai, on croise les doigts. Sans imprévu, en gérant bien, c'est fini. Ouais, je me suis un peu emballée là.
Oui, mais c'est en respectant ton budget. Normalement, dans mon budget. T'as pas utilisé ta carte? Une fois. Mais je crois que j'avais oublié de retirer 20 euros, donc ça devrait se réguler. D'accord. Bon. Ça, c'est pour son bilan. Enfin, pour son. Ouais, pour mon bilan de première semaine. Oui. Aussi, je voulais réexpliquer. Parce qu'en faisant le montage, Marina, elle a rien compris. Je suis désolée, je prends un médicament pour ma gorge en même temps. Oh, t'en fous. Il veut sortir dehors, il est minuit passé. Non, je suis pas tard. Il abuse un peu. Il est pire que Simba. En gros, ce que je fais, c'est que si jamais je dois filmer ma vidéo le dimanche, admettons, et ben vendredi, si je sais que samedi je vais pas sortir, je vais tourner ma vidéo vendredi en me disant je la clôture maintenant. T'as compris ou pas? Oui, bah, mais tu veux pas m'expliquer. Ouais. En gros, c'est pour ça que je dis que je clôture un peu à la va-vite. Enfin, non, pas à la va-vite, mais. En fait, je me dis que ce qui est important, c'est pas la date à laquelle je dépense, c'est tant que c'est dans mon budget. Et voilà, en gros, si jamais j'ai clôturé, mais que dans, sur cette semaine-là, j'ai refait une dépense, rien de, ne m'empêche de vous dire la semaine d'après, et ben écoutez, j'ai corrigé ça, ça, parce que finalement, j'ai été dépensée entre le moment où j'ai filmé et où j'ai posté la vidéo. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je clôture, en fait, au moment où je peux filmer. Si je sais que je peux, que je suis pas embêtée et que j'ai rien prévu après, je filme. Et donc, quand je filme, je clôture ma semaine. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer par rapport à ça. Du coup, là, on change. C'est moi qui poste le dimanche pour le grand bonheur de Marina et Marina qui poste le mercredi. Du coup, en fait, ce que je comprends... Vous aurez des vidéos à l'heure. Parce que du coup, je clôture le dimanche, je filme le dimanche. Voilà, okay. Et comme ça, j'ai le lundi et le mardi pour monter ma vidéo. D'accord, maintenant je comprends. Et du coup, j'ai un peu de temps. Le lundi matin, je bosse pas. Le mardi matin, je bosse pas. Enfin, j'ai 2 heures de pause. Donc, c'est sur ce temps-là que je monte à fond. Voilà, ok, je comprends. Voilà. Sinon, sur les points de, bah, de nous, nos vies. Alors, on a oublié dans la vidéo, par contre, de vous montrer quand on a coché. En fait, on l'a même pas fait encore, mais on va le faire plus tard. Quand on a coché. Dans notre défi petite fouille, mais bon, vous avez le montant total de notre monnaie, c'est ce qui est le plus important en vrai. Moi, je vous referai un point. Là, j'ai un peu survolé parce que j'étais stressée. Ah, moi, bon vous... ah bah, on a... Non, j'ai pas fait comme j'aurais voulu vous le montrer. D'accord. Parce qu'il y avait des problèmes de batterie sur mon téléphone. Et vous allez commencer à me connaître, je suis vraiment quelqu'un d'anxieuse. J'essaie d'éviter tous les moments de stress. Et ça, c'en était un pour moi là. Parce que je savais que j'avais que 10% de batterie et j'ai pas pu vous montrer vraiment comme je l'aurais voulu. Donc pour ceux qui veulent, sur Instagram, vous avez une story à la une où je vous montre. Je fais grave la pub de ce réseau, je sais pas pourquoi. Elle-même, elle sait pas pourquoi. Je comprends pas. Mais parce que je pense que je crois qu'elle est à l'aise sur Instagram. Non, mais c'est parce que en fait, je suis très à l'aise sur Insta parce que je parle beaucoup avec vous. Enfin, moi, par message en privé, on échange beaucoup et j'aime bien. Et je vous mets des stories comme ça au fil de ma journée. Et du coup, je me sens encore plus proche de vous sur Insta. C'est pour ça que je fais un peu la promo d'Insta. Bref, en tout cas, si vous voulez être proche de moi, en tout cas, parce que je poste beaucoup plus que Marina, il faut aller sur Insta. Moi, c'est presque son réseau. Déjà, je m'en sors pas très bien quand il faut commencer à publier une story ou quelque chose. Je le fais limite genre 5 minutes avant de poster ma vidéo parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Et puis même suivre une conversation. Enfin, j'estime que c'est pas trop... J'ai l'impression de me mêler un peu de vos conversations quand elle parle avec quelqu'un. Si je regarde le message, tu vois, il ne m'était pas destiné. Donc, du coup, je regarde pas du tout la messagerie sur Instagram. Et du coup, c'est Laetitia qui me dit quand il y a des messages pour nous deux, elle m'en parle. Moi, je suis plus là sur YouTube. Ça ne me dérange pas de communiquer avec vous, mais dans les commentaires. Et alors voilà. Que moi, je suis très... Au pire, je serais même presque plus à l'aise à communiquer par mail. Tu t'étouffes? Ouais, franchement là on a trop rigolé, je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Ça commence à être compliqué. Ouais, voilà. Mais du coup, ce que je voulais venir là-dessus, c'est qu'il y a une story à la une où je vous explique très clairement comment fonctionne le budget truc mensuel à l'année, là, bref, vous m'avez compris. Et comment on fonctionnera à l'avenir, je le remplirai moi avant le bilan du mois, où je pré-remplirai le plus possible et on écrira les petites choses, par exemple, je sais pas. Le solde actuel, on l'écrira ensemble juste pour que vous puissiez avoir un suivi, mais je n'écrirai pas à chaque fois parce que j'ai bien conscience que c'est très très long. Ça, c'est vraiment pour moi et pour pourquoi pas vous faire un point de temps en temps,
Mais on ne tournera pas toutes les pages à chaque fois dans le bilan. C'était juste pour vous montrer vraiment comment faire comment fonctionner. Voilà. Ouais. J'espère que tu allais aimer. Moi, ça me tombe bien. Mais toi, tu veux en faire un à ton image. Peut-être, ouais, redesigner. Redesigner. En tout cas, ouais. Bon, vous m'excuserez. Après, même si elle a un talent. Pour la faute d'orthographe. Hein. Même si j'ai un talent sur quoi ? Même si elle a... Il n'y est pas... Attends, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait deux formats différents. Mais on vous les mettra à disposition. Oui. Là, j'ai fait une faute d'orthographe, mais je voulais enlever sur le lien Google Drive. Mais ne vous inquiétez pas. Mais oui, c'est vrai. Mais après, j'aime bien parce qu'on a deux univers différents. Genre, t'aimes bien ce que je propose, je vais adorer ce que tu vas proposer. Mais c'est vrai que si on doit créer un truc pour nous, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit. Si par exemple, c'était une autre youtubeuse qui avait mis en place ça à ton image, j'aurais dit ah, c'est trop beau, je vais télécharger. Mais c'est vrai que c'est que j'aime bien, on aime bien nos styles à toutes les deux, mais c'est pas le premier truc qu'on va faire en premier. Donc je trouve ça bien. Ah oui, aussi en parlant de ça, en parlant de styles différents, on a rajouté des trackers dans des tons plus beige et rosé. Je vous mettrai une photo que j'ai fait parce que je vais offrir un budget planner à une amie. Et du coup, j'ai refait des trackers spécialement pour que ça aille mieux dans le ton des feuilles que j'ai fait. Et du coup, bah, je vous l'ai mis aussi pareil en lien Google. Mais ils sont vraiment beaux. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas fait, ça sera fait au moment ou dans les jours à venir, en tout cas. Checker régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On en parle beaucoup là encore une fois, ça va être compliqué là. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. D'ailleurs, juste, j'ai toujours du mal à fermer ma bouche. Elle n'arrive pas à clôturer. Non, c'est vrai, mais là, on va vous mettre le sondage, je pense, demain ou après-demain. Enfin, soit mercredi après la vidéo, soit jeudi pour les vidéos. Parce que du coup, là, vous venez de voir un peu un extrait de comment ça peut donner. Et finalement, je me dis que 3 vidéos, c'est peut-être mieux. Pour le bilan de semaine 4, là, je sais pas ce que t'en penses, mais il est là comme un cheveu sur la soupe. Et tiens, prends ça, quoi. Je sais pas, mais je préfère, en tout cas, je suis plus à l'aise, moi, à faire mon bilan. Toi, je sais que t'es pas très à l'aise à faire un bilan de semaine 4. Vous avez vu, la vidéo, elle a duré 5 minutes et 40. Je pense qu'à la limite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera en 2 vidéos, mais toi, ton bilan de semaine 4, vu que t'arrives, t'es à l'aise à le faire avec ton bilan du mois. Moi, pas du tout. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise à faire une vidéo carrée sur ma semaine 4, puis après mettre mes économies et tout, les répartir. Donc, je pense qu'il y aura peut-être, ça sera peut-être en 2 temps. C'est-à-dire que moi, je ferai mon bilan de semaine 4 en vidéo toute seule, et après, vous aurez le bilan de semaine 4 de Marina en même temps qu'on fait le bilan dans la vidéo bilan à 2. Ou alors, bon, sinon, on vous met le sondage. On réfléchit. Si vous préférez 3 vidéos, elle fera son bilan de semaine 4, elle va se forcer. Non, elle va s'en sortir. Non, moi je pense pas que... pourquoi, j'arrive pas. Je suis pas une grande communicatrice. Enfin, j'aime beaucoup discuter avec vous. Quoi ? Communicatrice ? Oui. Ah, ok. Je suis pas une grande communicatrice, j'aime beaucoup discuter avec vous, mais alors là, je savais pas du tout quoi faire et je voulais vraiment pas faire de doublons. Peut-être que la semaine prochaine, ça ira mieux. Et en plus, ce sera beaucoup mieux parce que déjà, j'ai réparti plusieurs... j'ai réparti, là, par exemple, mon enveloppe plaisir, elle est vraiment à la semaine. Donc, je vais vraiment avoir des choses à vous dire. Ouais. Je vais essayer de répartir plus d'enveloppes à la semaine pour allonger un peu le temps des vidéos. Après, je vais pas me forcer à raconter... Mais après, c'est pas grave si les vidéos sont courtes, tant que tu dis ce que t'as à dire. Pour moi, c'est pas un problème. Après, là... Excusez-moi. Là, pour ta semaine 4, c'est que t'as pas trouvé quoi dire, entre guillemets, ouais, parce que t'as pas eu une activité financière épanouissante, on va dire. On avait rien rempli, mais du dimanche au jeudi, je crois que j'avais rien dépensé. Oui, donc. À part dans les courses. Mais de toute façon, c'est la vie, c'est ce que je disais, c'est la vie. Il y a des moments où tu vas pas les dépenser pour dire attends, faut que dans ma vidéo, je mette 50 centimes dans mes défis. Non, si tu dépenses pas, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais après, donc moi en tout cas, je pense que je ferai quand même ma vidéo bilan semaine 4 à part et qu'on répartira les économies. Du coup, tout ce que vous nous demandez, on fera pour le coup ce que vous nous demandez. Oui, c'est vrai, pardon. soit deux vidéos, enfin une vidéo bilan semaine 4 chacune, donc ça fait deux vidéos, non. Plus notre bilan à deux. Donc soit, 3. Ça fait trois, oui, ça fait trois vidéos. Soit la vidéo bilan semaine 4 de Letizia plus bilan à deux. Plus mon petit semaine 4, ou tout d'un coup. Toutes les idées que vous avez, elles sont bonnes à prendre et de toute façon, on fait un sondage. C'est tout. C'est tout. Comment tout va. Il va falloir rajouter des idées.
Ah non, je crois pas. On peut faire ça, je crois pas. Bah si, genre. Si on peut, il y aura. Et on y met des messages. Ok. Ah oui, vous pourrez commenter si vous avez une autre idée. Mais je crois que c'est pas très clair la manière dont tu t'es exprimée. Je répète. Chante. Et en gros, t'as une bonne communicatrice. Soit on a trois vidéos, c'est-à-dire le bilan de la semaine 4 de Marina, mon bilan à moi, plus le bilan du mois, toutes les deux. Parce que dans les commentaires la dernière fois, on m'a beaucoup dit, j'aime bien quand vous êtes toutes les deux. On fera toujours une vidéo à deux, c'est ouais. Toujours. Mais c'est juste, est-ce qu'on sépare notre semaine 4 du bilan du mois? Ça, c'est la première option. Deuxième option, j'ai l'impression de faire doublon avec ma présente vidéo, mais je refais quand même. Deuxième option, c'est une de nous deux. Exemple, Marina qui fait son bilan de semaine 4 dans la semaine, et dans le bilan du mois, on a mon bilan de semaine 4 à moi plus le bilan du mois. Comme dans cette vidéo là que vous pouvez voir. Exactement, comme dans cette vidéo, ce qui fait deux vidéos. Soit une grosse vidéo, mais quand on vous dit une grosse vidéo, c'est vraiment une grosse vidéo. Hein. Là, on est à 45 minutes. Hein. Là, on a monté 40 minutes actuellement. Hein, et on est à 40 minutes. Plus là, on vous avait fait 20 minutes de bilan. Donc ça fait une heure. Je pense que on peut partir sur une vidéo. Si c'est une grosse vidéo, c'est une heure et demie facile. Une heure, calme-toi. Mais non, parce que moi là, j'ai bâclé mon bilan de semaine 4. Enfin, je l'ai rapetissé. C'est de ouf. Ouais, une heure et demie alors. Voilà, une heure et demie pour être large. Donc avec son bilan de semaine 4, le mien plus le bilan du mois où on répartit nos économies ensemble et on fait le point et tout ça et tout ça. Voilà les trois options. Si vous en avez d'autres, vous mettez dans les commentaires du sondage. Voilà. Et maintenant je me tais parce que moi j'ai toujours du mal à fermer mon clapet. Sur ce, on ferme cette vidéo. On espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se retrouve dimanche pour le remplissage de Letia, mercredi pour mon remplissage à moi. Et on reprend ce rythme-là. Le dimanche, ce sera Letia et le mercredi, ce sera moi. On vous fait des bisous. Salut. J'adore faire ça, je te jure.